Yo la famille, ça va ou quoi? Moi la forme la banane. On est là, on se retrouve sur une petite vidéo Red Dead. Donc ce sera une petite vidéo astuces et secrets. Car vous savez sur Red Dead je fais que des astuces et des secrets. Je suis super content, les vidéos Red Dead ont l'air bien marché, elles ont l'air bien vous plaire. Dans les commentaires je vois beaucoup de personnes qui se demandent comment ça se fait, si ça, qui me disent qu'ils partagent et tout. Ça fait plaisir les potos. Je tiens à envoyer une grosse dédicace à Monsieur Game Creator qui m'a redonné le courage de faire des vidéos Red Dead. J'avais commencé une série mais j'ai arrêté et m'a demandé de recommencer. Donc du coup aujourd'hui les potos, c'est une petite vidéo secret, pas astuce, secret Red Dead la famille. Un truc très rare. Je tiens aussi à remercier mon petit Dylan qui m'a donné l'astuce du couple glacé qui est sorti juste hier. Et Wami Dalima qui m'a donné l'astuce de 2-3 petites missions secrètes que je vais vous sortir après. Gros big up à vous tous. Si vous avez des chaînes, je les mets en description. Si vous avez des petits secrets à me dire, dites-le moi sur mon Instagram privé. J'étais abouti tiré du BMPG comme au début de la vidéo. Alors on commence le secret les frérots. Donc on commence le secret, on est à Rhodes. Comme d'habitude je vous mets le localisation à la fin. Donc on est là, j'étais faire une petite mission juste là qui me demandait d'aller rechercher une dette. C'est le mec qui va voler une bague dans le cimetière. Et regardez qu'est-ce qu'il y a juste là. Donc vous m'avez dit première personne maintenant. Est-ce que vous préférez vraiment les premières personnes ou les deuxièmes personnes pour faire les vidéos comme ça? Allez, on envoie la sauce. Regardez les amis. Un enfant enfermé. J'ai été enlevé. On va questionner. Hein. Pourquoi vous êtes habillé comme ça? Donc il a l'air d'être habillé d'une autre manière bizarre. Non, non, s'il vous plaît, vous devez m'aider. Ah. Une activité suspecte. Ah, il a été enlevé par l'armurier. Mais il est dingue. Et juste en haut, ça m'a mis, vous avez découvert une activité secrète, la famille. En fait, j'ai été faire ma mission là, et il y avait un mec qui a regardé, il était cambré. Et je vous mettrai la photo sur la miniature, ou peut-être pas. Et après, j'ai été voir, puis il y a lui qui m'a parlé. Le pauvre. Bon, on va le sauver ou pas? Bon, donc d'après moi, il y a une activité, c'est la vérité, il m'a enchaîné. Bah, et regarde, mon gars, on va faire une pierre de coups. Lui, t'a enchaîné à ton lit, là, il t'a enfermé. Moi, je vais aller le voir, mon petit gadjo, et je vais aller l'enchaîner de patates. Attendez, je vais voir si je vais me dire un dernier truc. Allez, vas-y, j'arrive, t'inquiète pas, mon poteau. Alors, moi, les dingues qui enlèvent les gamins, je supporte pas ça. Donc, vous avez vu, les frérots, on est à Rhodes. Vous allez juste devant le General Store, il y a la statue là. Vous allez à la gauche, direct, juste ici. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est l'armurier qui est fou. Mais comment je vais faire, du coup, pour le braquer et aller en bas? Bonjour! Ah, tu caches bien ton jeu, hein. Tu fais seulement de nous vendre des trucs et tout, mais t'inquiète pas, hein. T'as des bonnes petites activités illicites, hein. Donc je sais pas comment je vais faire pour aller... en bas, les frères. Attendez, je vais essayer un truc. Ouais. Ouais, salut. Pour braquer un magasin, visez-le avec le vendeur. Visez le vendeur avec votre arme, ok. D'accord, je peux pas rentrer par là. Ouais, c'est par là, c'est par l'intérieur. Hein. Oh ouais, bon, vous savez quoi? Je vais y aller si il fait le chaud. Mais j'aimerais bien de l'amener en bas, tu vois. Alors comment faire? Comment faire? Parcourir. Parcourir quoi? Ah oui. Si je passe derrière, il va commencer à s'exciter ou pas? Hop! Reste tranquille. Amène-moi au sous-sol. Amène-moi dans ton sous-sol, je m'en fous de ta caisse. Moi, je suis justicier, moi, je m'en fous de l'argent. Je préfère faire des bonnes actions. Hop, 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 hop. Reste à l'écart, reste à l'écart. Hop, 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 apportez de bière, apportez de bière, apportez de bière. Reste là, reste là, reste là. Hop, 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 hop. Doucement. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, parce que moi je peux te dire qu'on m'appelle la gâchette facile dans le milieu. Tu descends tout doucement, mon gars. Qu'est-ce qu'il va y avoir? À portée de mire, j'ai... Oh! Mais qu'est-ce que tu fais avec un gamin? Je t'ai dit que j'allais te sauver, ma gueule. Ne tirez pas, s'il vous plaît, laissez-nous. Laissez-nous? Mais t'es fou ou quoi, toi? Le gamin, je vais peut-être le laisser, mais toi...
Oh gars. Qu'est-ce qu'il fait alors? S'il vous plaît, aidez-moi. Ouais, je vais t'aider mon frère, t'inquiète pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ce vilain petit garçon a encore volé des bonbons dans la boutique, c'est pour son bien. Mais il est malade ou quoi lui? Je suis pas ton garçon, son of a bitch. Mais t'es sérieux quoi toi? Ne me le retirez pas, c'est tout ce que j'ai. Mais hé, tu crois quoi toi? Ouais, je t'ai cru que la vie c'est gaufrette ou quoi? Je ne peux pas le perdre, pas encore. Mais mec, il a rien à voir, il n'est même pas de ta famille, frère. Bon, ouais, je vais tirer sur les chaînes, t'inquiète pas. Mais il est bizarre, lui. Et toi, t'es... T'as un blême pro, frère. Donc, retenez bien cette tête, les frérots. Si vous voyez une tête comme ça un jour dans la rue, c'est un futur pédophile. Donc, ne vous approchez pas. J'espère que tonton Marcel ou qui que ce soit ne ressemble pas à lui. Hop, 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 hop. C'est quoi toi déjà? Je vais te ligoter parce que toi tu... Tu bouges un petit peu trop. À mon goût, voilà. Tu vois? Comme ça, moi je suis sécurisé les frères. Hop. Tu vas rester comme ça. Je peux pas te parler pendant que... Libéré, prends te fouiller. On va te fouiller. T'as bien un truc sur toi toi. 2,21$, purée. Examinez le document. Ah, dessin d'enfant. Il est chelou ce mec. En train de pêcher. Parfois il faut un peu de fermeté qui sort. Ouais, un petit dessin d'enfant. Ouais, j'ai un problème gros. T'as un blême pro frère. T'inquiète pas ma biche. Je vais te sauver. D'abord, je vais fouiller un peu. Tu vas rester avec moi aussi. Hein. On fouille un petit peu l'endroit, les frères, et après, je le libère. Vous inquiétez pas. Parce qu'on sait jamais, on peut peut-être perdre un truc important. Ça fait combien de temps qu'il est là? On va pas savoir. Vous ne voulez pas qu'il essaie d'affaire de famille? Il voulait bien me laisser. Mais non, mais c'est pas une affaire de famille, toi. Qu'est-ce que tu racontes? C'est une affaire de famille, l'autre. Il... Tiens. Tu vas un petit peu... te calmer dans les marches là. Hop voilà, tu vois. Et me sors pas que c'est une affaire de famille. Parce que je sais très bien qu'il est. Oh. Il est raide ou quoi? Je sais très bien que c'est qu'il fait pas partie de ta famille gros. Oh. Un beau fusil Lancaster la famille. J'en ai déjà un je crois. Moi j'en ai déjà un. On va quand même le garder. On va vous trouver un fusil Lancaster. Une broche qui vaut 2$. Bon allez, vas-y, on va libérer le gamin les frères. C'est quoi ça? Il n'y a plus rien. Prendre. Bon c'est bon, j'ai fouillé. Allez viens là mon marmot. Donc du coup t'étais là toi, t'étais en galère ici. Oh là 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 là. Arthur Morgan, qu'est-ce qui t'arrive? En train d'appeler les gens. Oh non, il bug. Bon allez vas-y mon petit coco. Je vais te rendre la vie ça des saufs. Allez hop. Tu peux te libérer mon gars. Tu me dis même pas merci? Ah si, merci ce foutu détraqué pour enlever. Vas-y mets une petite patate avant de partir. Même pas, purée, wesh moi bon, faire comme ça pendant des années. Je mets une patate au mec. Bon allez les frères, sur ce, voilà la petite vidéo. Vous avez vu, il est enfermé un enfant. Donc vraiment barge le mec. Je vous mets la localisation, on est à Rhodes les frérots. On est juste là, à Rhodes. Vous allez à côté, bah à l'armurerie. Vous avez vu, il y a la statue qui est là. Vous allez sur la gauche. Voilà les frérots. La localisation, je vous ai fait voir le petit scénario, nickel. Si vous voulez m'ajouter sur Instagram et Twitter, tout est en début de vidéo. Maintenant, moi, je vais m'occuper de lui. Mais je vais pas le faire en vidéo, parce qu'on sait jamais, tu sais, avec tout ce qui se passe sur Red Dead, quand tu fais du mal à une personne, d'un moment, tu peux te faire... Dès un moment tu peux te faire striker ou quoi que ce soit. Donc ça, je peux vous dire que lui, je vais avoir un bon emploi du temps pour lui. Attendez, déjà je vais lui piquer sa caisse. Hop.
En plus d'être pédophile, je vais le voler, tiens. Foiré, bah. 20$, bah voilà. Bah allez, sur ce la famille. Moi je vous laisse. Je vous remercie tous de liker la petite vidéo. Vous faites plaisir de commenter, des petits commentaires de soutien ou pourquoi pas m'aider pour les prochaines vidéos. Moi je vous laisse. Beaucoup de vidéos Red Dead vont arriver. Ah, c'est peut-être vraiment son gamin. Non, c'est pas son gamin, il est brun, le petit, l'autre il était roux. Moi je vous laisse et je peux vous dire que j'ai une bonne journée de pré. Non, non, vous inquiétez pas, je suis le nouveau vendeur. Je suis le nouveau. Tu veux venir aussi toi? Merde. Oh, 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 oh. J'arrive pas à lui mettre un coup de lasso lui. Non, non, vous inquiétez pas, je suis le nouveau vendeur. Je suis le nouveau vendeur, j'ai dit là. Les amis, je pense qu'en fait mon emploi du temps il va être plus chargé que prévu. Je vous laisse sur ce, bonne fin de soirée. Je vais mettre star pour être sûr de bien pouvoir les descendre et pouvoir m'occuper du mec parce que j'ai pas envie de le laisser partir comme ça. Sur ce, bonne fin de journée, bonne fin de matinée, bonne fin de soirée, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Tchuss tchuss la famille.